Et bonjour à tous et bienvenue sur Montessori Gaming. On est parti pour jouer à Paw Patrol World, le dernier jeu d'Outworld Games dans l'univers de la Pat Patrouille. À quelques jours, quelques semaines de la sortie du nouveau film Pat Patrol Mighty Pop. Et donc du coup, Outworld Games a eu la générosité de m'offrir ce jeu. Donc là, nous sommes sur Xbox. Souvent, je le fais sur Nintendo Switch, mais là, nous sommes sur Xbox. Je l'ai acheté moi-même, par contre, sur Nintendo Switch. Et par contre, la Nintendo Switch, vous pourrez voir la version Nintendo Switch quand je serai en live sur ma page Twitch. Voilà, ça fait beaucoup Switch, Twitch et tout ça, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là, on va pouvoir le tester sur Xbox. Donc c'est censé être... Alors, c'est pas vraiment un open world, mais c'est marqué... C'est présenté comme une aventure libre, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans une sorte de hub un petit peu ouvert et tout ça, et donc du coup vous passez de zone en zone et tout ça, vous pouvez vous balader dans ces zones, faire des petites missions dans la zone et tout ça, donc on va voir ça, en tout cas c'était ce qui était annoncé, donc on va voir ce qu'il en est. Parti. Hop, on regarde vite fait, vibration aussi, on va mettre les vibrations, pourquoi on les mettrait pas, caméra manuelle. Hop, changement de personnage facile. Ah ok, d'accord. On peut tout mettre en automatique. Hein. Si l'enfant du coup arrive pas forcément à faire les changements, vous pouvez tout mettre en automatique. Ignorer les dialogues. Ok. Ok, d'accord. Ouais, il y a l'air d'avoir quelques... petites choses, donc sauter, interagir, changer de véhicule, changer de chiot. Donc ça, on a l'air de pouvoir faire tout ça à la volée, hein. C'est juste en appuyant sur un bouton, on a l'air de pouvoir changer de véhicule et de chiot à la volée comme ça directement. La tablette des chiots et se téléporter aux joueurs en coop. Ok, ah donc on peut jouer a priori à deux en même temps. Donc si on est trop loin de notre d'un des deux personnages, il y en a un des deux qui peut se téléporter à côté. Son, correction gamma. Le son, correction gamma, ok. Allez, c'est parti. Démarrer une nouvelle partie. Donc on peut mettre trois parties sur une seule partie, ce qui est plutôt cool. On n'est pas obligé d'avoir plusieurs comptes pour le jeu. Les amis, la Grande Vallée a besoin de nous. La Pat Patrouille part en mission. Ah là là, la Grande Vallée, grandeur réelle. Merci d'avoir fait aussi vite, les amis. Voici notre mission. La fête de la Pat Patrouille organisée par Madame Goodway va bientôt commencer. Mais il y a eu un accident sur le pont. Nous devons intervenir. C'est parti. Ah, c'est pas de bol. Il se passe toujours des choses dingues à la Grande Vallée. Bonjour! Avant de commencer cette aventure, tu dois t'entraîner. Ok. Allons-y! Commençons par un échauffement. Tu peux te déplacer en utilisant ceci. Ok, donc comme d'habitude, on se déplace avec le joystick. Bien joué! Nous avons besoin d'un peu d'entraînement pour accomplir nos missions. Apprenons à sauter! Tu peux sauter en utilisant ceci. Hop, ouais. Allez, le bouton A comme d'habitude. Super. Entraîne-toi à sauter. Ceux qui sont habitués au jeu Pat Patrouille, pour le moment, vont pas être dépaysés. Continue à sauter. Bien joué. Hé, regarde, des friandises. C'est l'heure du goûter. Essaie de récupérer des friandises. Récupère des friandises. Je vais voir si on pouvait tourner la caméra, mais non, on peut pas. Récupère des friandises. Ouais, elle a l'air d'être automatique, hein, la caméra. Plus tu récupéreras de friandises, plus la jauge de récompense se remplira. Récupère le plus de friandises possible pour obtenir des récompenses. Bien joué! Excellent travail! Tu es maintenant prêt pour la grande aventure. Je déclare l'entraînement spécial Pat Patrouille terminé. Maintenant, la Grande Vallée nous attend. Allez, un premier trophée. On dirait qu'il y a eu un accident sur le pont.
Il y a des friandises partout. Ça, c'est cool. La fête de la Pâte Patrouille va bientôt commencer. Et Madame Goodway a besoin de ses friandises. Oh mince, moi je voulais les prendre. Nous devons absolument tout nettoyer pour sauver la fête. C'est parti, la Pâte Patrouille. Va jusqu'au pont et place-toi sur le cercle de mission. Tu peux suivre les empreintes de pâte pour trouver ton objectif. Si jamais tu te perds, cherche mon icône et viens me voir. Ok, il y a l'air d'avoir pas mal d'aide quand même, c'est plutôt cool. Choisis un émoticône. Ok, je sais pas à quoi ça sert, mais... Ah, par contre, la caméra... Choisis un... Ah, donc il y a tous les chiens cool, enfin presque en tout cas. Chase, Ruben, Everest, Zuma, Rocky, Stella et Tracker. Et Marcus, bien évidemment Marcus. Personnalisé, ah, on peut leur changer les tenues du coup. Ruben. Il y a des costumes. Chase. La grande vallée, donc il y a 4 zones à déverrouiller. Ça je sais pas trop ce que c'est. Affiche. Jeu. Paramètres de jeu, ok. Carte. Ok, donc ça, c'est la carte de la Grande Vallée. Histoire, il y a 4 zones. Choisis un chiot. Ok. Carte postale. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Ah, ok, quand on s'approche d'un... Quand on s'approche d'une zone bleue, il y a des petites pattes qui arrivent. Avoir fait aussi vite, les amis. Nous devons résoudre ce problème. C'est-à-dire que dans un premier temps, on suit la petite icône jaune de Rider. Et une fois qu'on a trouvé la petite icône jaune de Rider, il y a des petites pattes bleues qui nous montrent où est-ce qu'on doit aller pour lancer la mission. Ils cherchent peut-être des friandises. Nous devons leur demander de s'écarter afin de libérer l'accès au pont. Chase, tu peux utiliser ton mégaphone. Est-ce que tu vois le cercle de mission? C'est ici que tu peux utiliser les compétences de chaque chiot. Place-toi sur le cercle de mission et appuie plusieurs fois sur la commande qui apparaît pour utiliser ton mégaphone. Place-toi sur le cercle de mission et utilise ceci pour remplir la barre de progression. Allez, donc on appuie sur X. Chers habitants de la Grande Vallée, votre attention s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas acheter de friandises pour le moment. Bien joué! Super! La foule s'étant dispersée, nous pouvons maintenant déplacer ce camion à friandises. Chase, nous avons besoin du treuil de ton camion de police. C'est l'heure de changer de véhicule. Appuie ici pour changer de... Alors, sur Y. Super! Déplaçons ce camion pour libérer le passage. Va jusqu'au cercle de mission... Et appuie plusieurs fois sur la commande qui apparaît pour utiliser le treuil. Va jusqu'au cercle de mission et appuie plusieurs fois sur la commande qui apparaît pour l'utiliser. Alors là, vous voyez pas puisque voilà, j'ai la manette en main et tout ça. J'appuie en fait sur aucun bouton pour accélérer. C'est-à-dire que c'est uniquement au joystick sur la commande qu'on peut avancer, reculer et tout ça. Il n'y a pas de bouton pour accélérer, freiner ou quoi que ce soit. Appuie plusieurs fois sur la... c'est assez intuitif, hein, c'est vraiment très intuitif. Tu viens avec moi. Là, faut appuyer plusieurs fois sur X. Bah, et hop. Le de mission, bien joué. Le treuil qui fait ce qu'il a à faire. Wow, il y a des friandises partout. Occupons-nous maintenant de ce tas de friandises. Madame Goodway en aura besoin pour la grande fête qu'elle organise. Pour cette mission, nous avons besoin de Ruben. Sélectionne-le en ouvrant le menu des chiots. Et maintenant, sélectionne Ruben. A choisi un chiot. Ruben. Bien joué. Bonjour Ruben. L'appel de ton véhicule va nous être très utile. Va jusqu'au cercle de mission et appuie plusieurs fois sur la commande qui apparaît pour l'utiliser. Va jusqu'au cercle de mission et appuie plusieurs fois sur la commande qui apparaît pour l'utiliser. Quand un danger s'annonce énorme, Ruben met toujours la gueule. Bien joué. Waouh, excellent travail. Grâce à toi, la voie est libre.
Il semblerait que des habitants nous aient aidés en ramassant les derniers cartons. Tu m'étonnes. Bien joué, les amis! Pendant la mission, n'oublie pas de consulter la tablette mission de temps en temps. Voici la tablette mission. Tu y trouveras des informations utiles ainsi que des options d'accessibilité. Chaque page contiendra des informations spécifiques sur tes aventures. Un autre joueur peut rejoindre l'aventure à tout moment en utilisant ceci. Eh ben, on va essayer ça tout de suite. Moi, bon, je suis tout seul. Ah non, j'ai pas un mince. J'ai pas de deuxième manette sur Xbox. J'avais oublié. Eh ben, on essaiera ça sur Twitch quand j'essaierai la version Nintendo Switch du jeu. Mission accomplie, la patte patrouille. Viens me voir lorsque tu as envie de commencer une nouvelle mission. Si tu ne me vois pas, ne t'inquiète pas. Pour me trouver, il te suffit de suivre l'icône Rider. D'autres missions nous attendent au sein de la Grande Vallée. Tu peux discuter avec les habitants et accepter leurs demandes d'aide. Tu trouveras aussi plein d'objets incroyables et d'activités amusantes qui te permettront d'obtenir encore plus de friandises. C'est parti! De nouvelles aventures attendent la patte patrouille! Mission accomplie! Voilà, c'est cool, franchement, c'est vraiment sympa. Hein. Ah, c'est tout à la volée et tout, c'est vraiment cool. Je veux surveiller le festival. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des préparatifs. Madame Goodway organise une grande fête. Tous les habitants de la Grande Vallée vont se réunir pour remercier la Patte Patrouille. Ça va être super! La fête de la Patte Patrouille va bientôt commencer! Allez tous à la fête de la Patte Patrouille! Youhou! Madame Goodway a terminé les préparatifs. Patte Patrouille, direction la fête! C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué ? Le baseball. C'est ici que tu peux utiliser les costumes et les autocollants de véhicules que tu as obtenus. Essaie de mettre la nouvelle casquette de baseball sur la tête de ton chiot. Ok, donc du coup, ils ont repris exactement le même principe qu'il y avait dans le jeu Patte Patrouille Grand Prix, où on pouvait débloquer des décorations pour les véhicules ou pour les chiots et tout ça. Donc ils ont repris ça et ils l'ont du coup implémenté dans ce jeu d'aventure en 3D. C'est plutôt cool. Affiche, collier, carte postale, chiot. Choisis un chiot. Ah, c'est plutôt cool, hein. Plutôt bien pensé. Histoire. Histoire. Ah, on peut réparer les choses. Choisis Ruben. Comme neuf. Non, mais c'est très sympa en fait. J'avais peur que ça soit un petit peu compliqué, mais si votre enfant déjà arrive à déplacer le chien en 3D, il n'y a pas de raison que le reste il n'arrive pas à y faire. Hein. Madame Goodway. Oh, la
Grande Vallée a besoin d'aide. Les affiches pour la fête de la Pâte Patrouille ont disparu. Selon les témoins, les chatons Chatastrophe nous ont joué un mauvais tour. Ils se sont enfuis avec les affiches de la fête. Nous devons à tout prix les retrouver. Venez vous amuser à la fête des chatons Chatastrophe, organisée par Foggy Bottom, la fête la plus originale et la plus chabuleuse du monde, ou plutôt de l'univers. À nous de jouer, les amis. Mission accomplie. Il y a une petite barre progression pour l'histoire. Non, c'est plutôt cool, hein. Nous avons besoin de ces affiches pour informer les habitants. Et le ballon dirigeable de Monsieur Hellinger fait beaucoup de bruit. Les habitants en ont assez d'entendre sans cesse les annonces à propos de la fête des chatons Chatastrophe. Les amis, nous devons récupérer les affiches de la fête et arrêter ce ballon dirigeable. Où les chatons ont-ils été vus pour la dernière fois? Certains habitants disent avoir aperçu un chaton par ici. Les amis, cherchons des indices aux alentours. Ce chaton a peut-être une affiche. C'est parti! Donc on va faire d'abord le mode histoire. Et une fois qu'on aura terminé l'intégralité du monde d'histoire, on fera les petites missions annexes qu'il y a, essayer de récupérer les différentes tenues et tout ça. Allez, donc c'est parti, on continue, on suit les petites pattes. Renifler, mais c'est marqué Chase, donc je suppose. Besoin de Chase. Voilà. Appuie sur cette commande et sélectionne Chase dans le menu des chiots. Donc si votre enfant s'est pas rendu compte ce qu'il fallait qu'il change de chiot, il y a la petite phrase de rappel avec où ils disent sur quel bouton il faut appuyer pour changer de chiot. Non, c'est très bien pensé. Hein. À moins que votre enfant soit vraiment petit, normalement, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il n'y arrive pas, tout simplement. Bien joué! Achou! Les empreintes vont jusque là. C'est le chaton, Ryder! Les amis, ne laissez pas ce chaton s'échapper! Allez, go! On va prendre le véhicule, ça ira plus vite. Où est-il passé? Je ne pense pas que le chaton soit allé aussi loin. Il y a des empreintes juste ici. Ça sent bon! Bien joué! Il y a d'autres empreintes par ici! Achou! Aha! Le chaton est là! Les amis, ne le laissez pas s'échapper une fois de plus! Waouh! Ce chaton est rapide! Chase, continue à chercher. Alors, où est-ce qu'on va? Tu as débloqué un... Choisis un chiot. Ah, on peut mettre des... Voilà, des petits stickers sur les... Sur les véhicules. Ça sent bon! Bien joué! Je suis sûre que le chaton est tout prêt! N'abandonne pas! Tu y es presque! Vous avez vu, les amis? Ce chaton est rapide comme l'éclair.
Il s'est échappé. Oh mince. Mais regardez. Ah, il a laissé l'affiche. Quelque chose. C'est un prospectus pour une fête sur le thème des chats. La fête des chatons chatastrophe. J'ai l'impression que Monsieur Ellinger organise un événement. Je parie que c'est une compétition qui aura lieu à Foggy Bottom. Tout se passe comme prévu, les chatons. Nous avons réussi à voler les affiches de la Pat Patrouille, ni vu ni connu. Maintenant que leur fête est retardée, je suis sûr que tout le monde va venir à notre chabuleux événement. Plus fort! Je veux que tout le monde sache que nous organisons une fête. Mission accomplie. Et je sais pas du coup si vous avez remarqué, mais du coup ça a l'air d'être les voix officielles pour tout, pour les chiens, pour le maire Ellinger, pour maire Goodway, pour Ryder. Ça a vraiment l'air d'être les voix officielles pour l'intégralité du casting qui est présent dans le jeu. Je crois que c'est la première fois qu'on a ça pour l'intégralité du jeu. C'est vraiment impressionnant. Ils ont vraiment fait un gros effort pour ce jeu. Alors, du coup, où est-ce qu'on doit aller? Donc, en théorie, quand on ne sait pas où aller, voilà, on doit chercher Ryder. Les chatons semblent avoir semé la pagaille en ville. Nous devons d'abord aider les habitants de la Grande Vallée. On s'occupera plus tard de Monsieur Ellinger et de son dirigeable. Ryder! Tous les panneaux de la fête ont été renversés. Je parie que c'est encore un coup des chatons chatastrophes. On dirait qu'elle veut s'envoler. Sans ces panneaux, les habitants ne pourront pas se rendre à notre fête. Vous pouvez compter sur nous, Madame Goodway. La patte patrouille est sur le coup. Ruben, utilise le crochet de ton véhicule pour relever le panneau. C'est parti. Allez. Bon, on va changer pour Ruben. Choisis Ruben. Et on va prendre le véhicule. Hop, ah, peut-être pas tout de suite parce qu'on doit passer ça. Hop, maintenant on va prendre le véhicule. Tu as débloqué un joli portrait de Galinetta. J'avoue, il est joli. Celui-ci mérite sa place parmi les pièces de l'exposition d'art de Galinetta. Tu peux trouver l'exposition sur la plage de la Grande Vallée. Ok, donc il y a plein de petites récompenses comme ça à trouver et à obtenir. Comme neuf. Nous avons besoin de ton véhicule. Choisis-le avec cette commande. Crochet, à toi de jouer. Venez vous amuser à la fête des chatons chatastrophes. Bien joué. Quand un danger s'annonce énorme, Ruben met toujours la gomme. Bien joué, Ruben. Maintenant, remettons le panneau dans le bon sens. Stella, c'est l'heure d'utiliser le crochet de ton véhicule. Alors, on va changer pour Stella. Stella! J'utilise mon crochet. Bien joué! Il y a un autre panneau par terre. Ruben, utilise ton crochet pour le relever. Thank you.
Choisis un troll et Ruben. Crochet, à toi de jouer. Bien joué. À toi de jouer, Stella. Prête pour un petit tour dans les airs. Choisis un chiffre. Stella. J'utilise mon crochet. Bien joué! Encore un panneau par terre. Ruben, tu sais ce que tu as à faire. Rock. Ruben. Chase. Marcus. Et bon, on va prendre Ruben. Alors, hop, ici. Allez. Crochet. Ah, voilà. Jouer. Bien joué. Oui, j'ai réussi. Stella, tu n'as plus qu'à le redresser à l'aide de ton crochet. Choisis un chiot. Stella. C'est pas ça que je voulais faire. J'utilise mon crochet. Bien joué. Hop, c'est la cabane d'Alex. Beaucoup mieux comme ça. Merci, la pâte patrouille. J'avais pas fait attention, on est à côté de la cabane d'Alex et donc du coup du... de la boutique de... je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Émoticône blagueur grâce à toutes les friandises que tu as récoltées. Hop, nouveau émoticône. Utilisez les émoticônes en appuyant sur la commande sous le visage du petit chien. Du petit chien. Tu peux aussi te servir des émoticônes pour débloquer les demandes d'aide des habitants. Ah, oh, cool. Choisis un émoticône. Choisis un émoticône. Là, faut mettre Ruben. Choisis un Ruben. Waouh, tu as trouvé un de mes colliers. Oh cool, il y a des, il y a plein de, oh là là, il y a plein de trucs, c'est cool. Tu as débloqué un nouvel autocollant pour ton véhicule. Alors, Ryder, où est Ryder? C'est la nuit qui va tomber, là?
Le dirigeable de Monsieur Ellinger fait tellement de bruit que Charlie le perroquet a pris peur. Il s'est envolé. Essayons de retrouver Charlie et assurons-nous qu'il va bien. C'est parti! Choisis... Chez Marcus! Ah, il fait nuit. Donc il y a un cycle jour-nuit, ça c'est plutôt cool. À voir s'il y a une vraie utilité, je suis pas sûr, je pense pas qu'il y ait une vraie utilité. Très bien. Stella, nous devons trouver la cachette de Charlie. Utilise tes ailes pour observer les alentours et dis-nous si tu vois quelque chose. Alors Stella... Choisis un... Qu'est-il par ici? Ça fait quoi? Ça nous débloque une nouvelle zone? Bien joué! Charlie n'est pas là, Ryder. Il est sûrement parti se cacher ailleurs. Poursuivons nos recherches. Stella, regarde par ici. Catastrophe, bien plus grandiose et plus amusante que n'importe quelle fête canine, bien évidemment. Il y a l'air d'avoir un petit jeu, mais j'ai dit que je ferai d'abord l'histoire. Donc, on va d'abord faire l'histoire. Bien. Qui a-t-il par ici? Ça nous permettra en plus de voir du coup combien de temps l'histoire principale dure. Bah, à peu près. Hein. Bien joué! Charlie n'est pas là non plus. Entendu! Bon travail, Stella. Il ne doit pas être très loin. Survole ces arbres et essaie de le retrouver. Oh, bien. Allez, on va y récupérer ça. Waouh! Un nouveau costume! Wouhou! Aha! Aha! Non, c'est bon. Maintenant que c'est ouvert, après... Très bien! On peut pas y faire grand-chose à part rouvrir, mais ça change rien, quoi. Ça fait rien du tout. Oh, on a trouvé le perroquet. Bien joué! Le voilà, Ryder! Il est dans cet arbre, juste là! Il semblerait que Charlie ait besoin d'aide pour redescendre. Marcus, utilise l'échelle de ton véhicule pour aider Charlie à redescendre. Ne t'en fais pas, Charlie! J'arrive! Allez, Marcus! Marcus! Pour un rip rip sauvetage. Et hop, Charlie est récupéré. Bien joué. Excellent travail, Marcus. Ça va mieux maintenant, Charlie, n'est-ce pas? Mission accomplie. Histoire. Alors du coup pour le moment on a fait 4. On a fait 4 missions, donc il nous en reste 6, il y a l'air d'en avoir 10. Histoire.
Chio, histoire. Allez, on va voir Ryder. Donc là, il y a plein de points d'exclamation. C'est des missions supplémentaires, en fait, des missions annexes. Mais qu'on va pas faire pour le moment, juste histoire de faire le mode histoire, justement. Ah non, il est là-bas. Mademoiselle Marjorie vient de nous appeler. Elle a besoin de vous. Elle a pris peur lorsque les chatons se sont enfuis et elle a fait tomber son sac de courses. Oh, Bichette. Ses courses sont éparpillées un peu partout dans la grande vallée. Nous allons les retrouver. Chase est sur le coup. C'est parti. Alors, tac. Ça sent bon. Ça sent le printemps. Wow, tu as obtenu un nouveau timbre. Voyons comment l'utiliser. Alors, comment on utilise les timbres? Voici la carte postale. Tu peux utiliser les timbres que tu as obtenus pour créer des images rigolotes. Tu peux les placer où tu veux, selon tes envies, sur la carte postale. Tu ne peux pas rouler ici. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Ça sent le printemps. Bien plus grandiose et plus amusante que n'importe quelle fête. Non, on retrouve vraiment tous les lieux iconiques du dessin animé Pat' Patrouille, quoi. Le terrain de foot. Voir si on peut donner des coups de pied dans le ballon. Choisis un chiot. Si, on marque. Allez. C'est quoi, c'est le capitaine Turbo qu'on va voir? Bah, je pense qu'il va falloir prendre Zuma. Choisis un... Utilise le véhicule de Zuma sur l'eau. Choisir Zuma. Choisir un Rocky. Chio, carte postale. Non, c'est pas ça.
Bien joué. Bien joué. Il manque encore quelques provisions. Ah, on n'a pas tout trouvé. Va voir à la plage. Elles sont peut-être enfouies sous le sable. Marcus, utilise ton canon à eau pour essayer de retrouver les courses. À vos marques, prêts, partez! Captain Turbo. Choisis Marcus. Tu as besoin d'eau? Bien joué. Cette partie de cache-cache est terminée, Monsieur Chou. Super. Un légume de plus. Ville et légumes. Tu vas chercher dans le sable à l'aide de ton canon à eau. Tu peux aussi te servir des émoticônes pour débloquer les demandes d'aide des habitants. Choisis un chiot. Bon, je me mélange un peu les... Tu as besoin d'eau ? Les touches de temps en temps. Bien joué! Tous ces grains de sable me donnent envie de... Achou! Bien joué, Marcus! Plus qu'un produit à retrouver à l'aide de ton canon à eau. Besoin d'eau? Bien joué! Achou! Mission accomplie, Ryder! Super! Allons rapporter toutes ces courses à Mademoiselle Marjorie! Hop! Allez! Ah, c'est un petit peu embêtant des fois la caméra. Quand elle reste en automatique, on peut pas la bouger tout simplement. On est obligé d'attendre qu'elle tourne. Après, en général, quand elle tourne pas, c'est qu'il n'y a pas forcément quelque chose à voir ou à faire. Ah, un appel. Si tu veux quitter la mission, tu peux le faire dans la tablette mission. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans la tablette mission? Carte. Option. Affiche. Collier. Carte postale. Chiot. Histoire. Histoire. Ah, il y a le chauffeur de train. Je sais plus comment il s'appelle. C'était pas le bon mouton. Merci, la patte patrouille. Ces chatons ont vraiment semé la pagaille. Plus rien ne pourra m'empêcher de préparer une bonne soupe pour ce soir. Bien joué. Mission accomplie. Allez, on vient de terminer la mission 5. Du coup, on va arrêter là pour ce premier let's play sur le jeu Pat Patrouille. On le fait en 5 on fait 5 épisodes comme ça à la fois, ça nous fait la moitié de l'histoire. On est là à la Grande Vallée, il y a l'air d'avoir 4 zones, donc je suppose, je dis bien je suppose, hein, j'ai pas encore terminé le jeu ou quoi que ce soit. Je suppose qu'il y a donc 10 missions par zone.
Donc ça fera un total de 40 missions. Ce qui est plutôt pas mal, moi, je trouve. Je sais pas. Après, faut voir. On va voir si c'est vers ça qu'on s'oriente ou non. Hop, allez, comme d'habitude, on ira vers Rider. Mais ça, on le fera après. Allez, c'était Montessori Gaming pour ce premier gameplay let's play sur Pat Patrouille World, le nouveau jeu en monde, on va dire, semi-ouvert de la Pat Patrouille. En tout cas, ça fait très plaisir de pouvoir voir l'univers de la Pat Patrouille modélisé comme ça. On a vraiment l'impression d'être dans le dessin animé, d'être dans la série, et sincèrement, je crois que c'est le jeu dont tous les fans de Pat Patrouille, tous les petits fans de la Pat Patrouille rêvaient. Sincèrement, ce jeu, il est à 40€, je trouve, pour le moment en tout cas, je trouve qu'il les vaut largement. Allez, à bientôt sur Montessori Gaming, à plus, ciao ciao.